Dernière nouvelle 24 heures. Pendant quelques heures, le site du Mont Saint-Michel a été fermé au public dimanche matin. Un homme qui avait proféré des menaces contre les forces de l'ordre a été interpellé dans la soirée. La fermeture du Mont Saint-Michel a duré quelques heures dimanche matin. L'ensemble du site a été évacué après qu'un homme a proféré à deux reprises des menaces contre les forces de l'ordre. Les maisons ont été fouillées une à une avant une réouverture à 14 heures. Un suspect, qui s'était vanté d'être l'auteur des menaces, a été arrêté dimanche soir sur une bretelle d'autoroute à Caen. Il a été placé en garde à vue. L'homme est âgé de 36 ans et était connu des services de police pour des trafics de stupéfiants et conduite sans permis. Un homme de 36 ans interpellé dimanche soir arrêté dimanche soir, vers 23h30 sur une bretelle d'autoroute à Cannes, cet homme de 36 ans est connu des services de police pour des trafics de stupéfiants et conduite sans permis. Il est soupçonné d'avoir proféré les menaces contre les forces de l'ordre au Mont Saint-Michel ayant entraîné dimanche l'évacuation du site. Les forces de l'ordre, qui avaient perdu sa trace, ont pu le retrouver grâce à sa description et à sa plaque d'immatriculation. Peu avant son arrestation, le suspect avait en effet été repéré dans une station essence de l'autoroute où il se vantait d'être l'auteur des menaces, a indiqué lundi une source proche de l'enquête. L'homme a été placé en garde à vue à Caen. Dimanche, le parquet de Coutances, Manche, a ouvert une enquête de flagrance pour menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il s'agirait d'un jeune homme entre 20 et 30 ans qui était habillé d'un t-shirt blanc et un pantalon sombre, d'après une photo prise par un pompier. Plusieurs témoins avaient signalé cette personne alors qu'elle rentrait sur ce site qui attire chaque année près de 2,5 millions de touristes. Une alerte en deux temps, dans une navette bus, puis dans un café vers 7h45, sur une navette bus menant au Mont Saint-Michel. Un guide touristique a prévenu la gendarmerie qu'un homme avait tenu des propos menaçants et inquiétants envers les policiers et gendarmes. Cette personne a été suivie sur le site touristique grâce à la vidéosurveillance de la police municipale avant d'être perdue de vue, précise la source proche du dossier. Ensuite, selon Ouest France, l'homme s'est installé à une terrasse de café. Le gérant de l'établissement lui a refusé de faire une animation de rue, ce qui l'a énervé. Le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabaté, a raconté qu'un homme voulait faire une animation de rue lorsqu'il a eu une altercation avec un cafetier. Il a proféré des menaces contre les forces de l'ordre, pourquoi avoir décidé de l'évacuation du site, j'ai évacué le mont par mesure de précaution car personne ne connaît les intentions réelles de cet individu. J'ai fait évacuer l'intégralité du mont et ratisser maison par maison pour m'assurer qu'il n'y soit pas, a déclaré dimanche le préfet Jean-Marc Sabaté. L'homme s'est mêlé aux premiers visiteurs. Il n'y a eu aucun tir, aucune arme. Le village sera rouvert dès que les forces de l'ordre auront la certitude que l'individu n'est plus sur le site. J'ai la quasi-certitude qu'il n'y est pas puisque toutes les maisons ont été vérifiées, avait poursuivi le représentant de l'État. Xavier Bailly, administrateur de l'abbaye, est resté confiné chez lui, sur ordre de la gendarmerie. L'abbaye a été fermée par mesure de précaution et les offices religieux annulés. Les piétons séjournant dans les hôtels ont été évacués dans le calme et sans incident. Les gendarmes ont fouillé les maisons et boutiques, tandis que des touristes étaient tenus à distance sur la passerelle menant au site. Les navettes du Mont Saint-Michel qui circulent toutes les 10 minutes ont été arrêtées. Finalement, le site dégagé de tout risque a rouvert à 14h dimanche, avec AFP.